Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée l'extractivisme, modèle toxique et voie de sortie. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir très brièvement avant de passer le relais aux panélistes et à notre animatrice de la soirée. Quelques mots simplement pour vous dire que cette soirée est le fruit d'une collaboration avec les Amis de la Terre de Québec, qui sont des partenaires depuis plusieurs années. Mais pour cette soirée, on a vraiment travaillé conjointement, encore plus que d'habitude, la préparation de cette soirée, les invitations aux panélistes. Et cette soirée s'inscrit toujours dans le 40e anniversaire des Amis de la Terre. Alors, je tiens à souligner cet événement important pour eux et en même temps pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux enjeux environnementaux, à une préoccupation sur la Terre. De façon plus générale, les Amis de la Terre ont été précurseurs de plusieurs initiatives. On a aussi la chance ce soir d'avoir la collaboration d'Eau Secours par sa directrice générale, Anne Simard, qui a accepté d'animer et à Québec et à Montréal, alors de venir nous rejoindre jusqu'à Montréal de Québec où sont les bureaux d'Eau Secours pour animer cette soirée. Et on a demandé à Lisanne de nous permettre de vivre une soirée un peu différente. Elle vous expliquera tout à l'heure la formule, mais on voulait pas un panel habituel, on voulait une formule plus dynamique avec plus d'interactions. Alors vous aurez certainement autant de plaisir que les gens de Québec en ont eu à vivre cette soirée, même si on parle d'un enjeu à la fois extrêmement difficile et des situations aussi qui en découlent difficiles. Et je remercie tous les panélistes qui ont accepté de collaborer avec nous à cette soirée, de se prêter à ce mode aussi d'animation. J'en profite que j'ai la parole pour vous dire qu'à l'arrière, au moment de la pause, vous trouverez, si vous ne les avez pas vus à votre arrivée, des revues relations qui sont toujours choisies en fonction de l'activité ou du thème de la soirée. Donc, vous en trouvez un certain nombre et les numéros les plus récents. C'est toujours préférable de s'abonner, on le dit toujours. Ça vous coûte moins cher d'une part, mais ça vous permet aussi même d'avoir des numéros gratuits. Il y a aussi d'autres informations sur le travail du centre, notamment le secteur Vivre Ensemble. Mais on a aussi une deuxième table ce soir avec le CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine, qui nous a permis d'avoir Diana Potès comme panéliste et qui ont quelques objets, probablement que Diana en dira un mot ou l'autre, liés au projet dans lequel est impliquée Diana en Colombie. Donc, vous pourrez à la pause aussi éventuellement vous procurer certaines choses et pouvoir être solidaire par le fait même des projets. Et pour cette soirée, en plus du CEDAL comme organisation, le Front commun pour la transition énergétique fait aussi partie des collaborateurs à cet événement. Alors, on les remercie chaudement. Alors, Alison, à toi la parole. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. En fait, je regarde ça à peu près, là. Je pense que vous êtes à peu près égal comme le nombre de personnes qu'on était à Québec, là. Pas que ce soit une compétition, là, ou quelque chose, là, mais il va falloir qu'on ait les chiffres exacts, là, un comptage exact pour savoir qui gagne la soirée. Donc, en fait, sans plus tarder, je vais vous dire brièvement comment va se dérouler la soirée. Donc, chaque panéliste aura un bloc qui lui est attitré. Commencer par un 5 minutes de présentation par panéliste. Et après ça, il y aura vraiment un échange avec les autres panélistes. Et dans un but, justement, de rendre ça plus dynamique, que ça soit plus un peu comme une discussion. Suite à ça, en fait, on a 5 blocs comme ça qu'on va couvrir et ça devrait prendre au total une heure. On va prendre une pause et il y aura après ça une période de questions. Donc, voilà. La présentation des panélistes, on a avec nous
Bertrand Schepper, qui est chercheur à l'IRIS, ça c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Il est diplômé en administration des affaires de HEC Montréal et possède une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse plus spécifiquement aux finances publiques ainsi qu'aux défis énergétiques et environnementaux du Québec. Il a récemment rédigé avec Stéphane Poirier la note socio-économique « Le développement des hydrocarbures en Gaspésie peut-il créer de la recherche à long terme? » Je pense que la réponse est non, hein, on peut tout se le dire. Ainsi que la fiche « Hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, plus de coûts que d'avantages économiques ». Voilà, merci beaucoup. On a aussi Anne-Céline Guyon, qui est la coordonnatrice du Front commun pour la transition énergétique. C'est une concertation d'une soixantaine d'organisations citoyennes, environnementales, syndicales et issues des Premières Nations, réunies pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. Elle pourra nous dire tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Elle a aussi été chargée de projet Énergie-Est à Natura-Québec. Donc, on se souvient, elle était une figure de proue de la lutte contre Énergie-Est. Elle cumule de nombreuses années aussi comme professionnelle de recherche à l'Université Laval, notamment pour le Centre d'excellence sur le vieillissement. Elle détient une maîtrise en anthropologie culturelle de l'Université Laval ainsi qu'en ethnologie de l'Université Paris. Ex-Nanterre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Oh, Paris 10, excusez-moi. ensuite, on a avec nous M. Louis-Gilles Franqueur, qui a travaillé au journal Le Devoir durant près de 4 décennies, quand même. Il s'est surtout consacré au journalisme environnemental à titre de reporter chroniqueur à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. M. Franqueur a également occupé la fonction de commentateur environnemental dans diverses émissions d'affaires publiques. Il a été membre et vice-président du BAP de 2012 à 2017. Il a présidé 5 commissions d'enquête et d'audience publique et a agi à titre de commissaire à 2 reprises, notamment pour un mandat d'enquête avec médiation. Il a une formation en philosophie et en sciences politiques. Donc, merci beaucoup aussi. Et finalement, Diana Potez, qui est une femme métisse qui s'implique pour la défense des territoires, aujourd'hui affectée par les dynamiques d'accumulation de capital. Elle s'implique aussi pour le Carnaval pour la vie à Cali, en Colombie. Elle enseigne à l'Université Antonio José Carnado à Cali. À Cali, en Colombie. Et elle a aussi vécu l'expérience migratoire au Canada. Et pendant 5 ans, elle habitait à Montréal où elle s'est impliquée, notamment avec le CELAL. Donc, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, l'extractivisme. Donc, qu'est-ce que l'extractivisme? Quelles sont ses implications aussi? Alors, pour nous faire cet état des lieux-là, je vais céder la parole à M. Franqueur. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ou trop fort? Ça va? OK. Alors, d'abord, un essai de définition. Et c'est important parce que la façon dont on délimite le sujet influence beaucoup, évidemment, la perspective d'analyse par la suite. L'extractivisme, en fait, est une notion, il est important de le souligner, qui s'applique non seulement à l'industrie minière, qui est généralement plus ciblée par ce concept, mais aussi à toute forme d'exploitation massive des ressources naturelles et notamment des ressources naturelles qui sont principalement destinées à l'exportation. Donc, qui créent une sortie de richesse du pays avec peu de transformation locale. Les impacts peuvent être aussi importants dans le cas des ressources renouvelables, qu'il s'agisse d'agriculture ou de déforestation, parce qu'on peut épuiser les sols, on peut contaminer les nappes d'eau souterraines, les cours d'eau, avec des activités qui portent sur les ressources renouvelables. Et c'est aussi important que pour les ressources naturelles métallifères, c'est-à-dire les métaux de toutes sortes, dont l'épuisement est inévitable, même s'il est difficilement prévisible, parce qu'on ne connaît pas toujours l'état des réserves réelles dans les différents pays. En termes plus militants, le terme désigne les activités ou les systèmes économiques prédateurs, généralement utilisés par les multinationales, principalement dans les pays en voie de développement, Amérique latine et Afrique, où le concept est né d'ailleurs, principalement. Et aujourd'hui, on assiste à un nouveau
concept très proche du premier qui s'appelle le néo-extractivisme. La différence, c'est que ici, c'est l'État plutôt que les multinationales qui prennent en charge l'exploitation des richesses naturelles, renouvelables ou non renouvelables, comme pilier de leur développement. Et il s'agit dans les deux cas, eux autres, ils veulent surtout c'est créer de la richesse pour en avoir plus à redistribuer. Il est par contre important de noter que l'impact est par contre le même au plan écologique et sociaux si on ne planifie pas ce développement en fonction d'objectifs écologiques, sociaux et moi j'ajoute transgénérationnels. Quels sont les contrôles qui présentement s'appliquent à ce type d'extractivisme? En fait, ces contrôles, ils ont pour principe, pour objectif, de réduire le plus possible les impacts à la fois écologiques, sociaux et économiques. Et on va discuter tout à l'heure avec d'autres conférenciers pour détailler davantage ce dont il s'agit. Mais on peut ajouter aussi qu'un des objectifs maintenant, c'est de réduire, d'aborder la dimension transgénérationnelle. Parce qu'on peut décider qu'on vide tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on épuise tous nos sols. Vous savez, dans la région de Montréal, je vous donne comme exemple l'agriculture industrielle qui se pratique autour de Montréal. Et là, je vous cite un rapport du Sénat qui date de 18 ans. Ça veut dire que la situation s'est empirée depuis. On dit que les sols autour de Montréal ont perdu 28 cm de matière organique et qu'il en resterait en moyenne 8. Ça veut dire qu'il y a une collision quelque part qui s'en vient avec ce type. Alors, voyez-vous, l'extractivisme peut aussi toucher ces fonctions-là. Et si on ne se préoccupe pas de ce qui viendra pour les générations futures, je pense qu'on fait une grave erreur qui va à l'encontre, en tout cas, du concept le plus élémentaire de développement durable. Alors, quels sont ces contrôles qui, présentement, sont mis en place avec plus ou moins d'efficacité? D'abord, les redevances. On dit vous prenez des ressources, et ça c'est surtout le cas des ressources métallifères, parce que on n'a pas de redevance sur l'exploitation agricole. On en a sur l'exploitation forestière, mais dans ce domaine-là, au fond, c'est à coût nul pour les compagnies, parce qu'on leur dit vous avez des redevances de temps si vous prenez temps. Mais si vous faites des travaux sylvicoles pour que la forêt se reproduise en santé, on déduit ça du montant que vous devez au gouvernement. Alors, le gouvernement, au fond, se ramasse, dans la meilleure des hypothèses, il n'y a pas de revenus, parce que les compagnies réinvestissent dans la forêt pour leur profit, pas celui du gouvernement. Alors, le net pour le Québec, dans ce domaine-là, il n'y a personne encore qui l'établit, comme dans le domaine minier, où là, ça a été établi. Dans le cas de l'exploitation, les redevances, elles sont en principe généralisées pour la forêt et les métaux, mais elles sont généralement très faibles. Pourquoi? Parce que les pays rivalisent à la baisse pour attirer les investissements. Ce n'est pas à la hausse que se fait la concurrence. Dans le cas de l'exploitation minière, elle ne reflète pas de façon générale non plus la valeur relative de l'épuisement inévitable de la richesse collective. Ce qui devrait être le prix que l'on facture en termes de redevance. Alors, on fait comme une taxe, mais on ne tient pas compte du fait que faudrait laisser de l'argent pour les générations futures parce que leur développement va exiger un minimum de ressources. Si on les prive des ressources naturelles, il faudrait qu'ils en aient d'autres. Ce qu'on ne fait pas. Alors, il y a très peu de pays qui retiennent une partie des redevances au profit des prochaines générations. On sait que certains pays nordiques le font pour le pétrole, mais c'est presque l'exception, dis-je, qui confirme la règle. En fait, la plupart des pays ne sait même pas de savoir quelle est la valeur de l'épuisement des ressources et qu'est-ce qu'il faudrait charger. Au Québec, on n'a aucune étude là-dessus. Au Canada, on n'a aucune étude là-dessus. Je n'ai rien vu de tel dans la plupart des pays occidentaux. En fait, la réalité, c'est qu'on ne tient pas à le savoir. Donc, on ne se pose pas la question. C'est plus simple comme ça. Deuxième mode de contrôle, l'obligation de réinvestissement qui est parfois faite aux multinationales. Ces obligations de réinvestissement, en général, c'est beaucoup plus des vœux que des obligations légales. On va prendre des engagements moraux, mais on ne va pas nécessairement signer ce qui s'appelle un contrat civil exécutable devant les tribunaux. Au Québec, en tout cas, c'est le cas. On prend des engagements, mais il y a aussi des contrats avec Investissement Québec.
Les obligations légales, elles sont rarement assorties de garanties financières versées préalablement afin d'éviter les mauvaises créances. C'est-à-dire que les compagnies vont dire, on va faire tant d'investissements, on va peut-être mettre tant de main-d'œuvre, mais s'ils disparaissent demain matin, ils n'ont pas laissé une scène sur la table pour qu'on puisse assumer les obligations dont ils essaient de se soustraire. Les investissements conjoints. Là, on touche dans un domaine où les États sont plus friands. Parce que, bon, question de copinage, on aime mettre de l'argent dans ces aventures. Souvent, en fonds perdus, d'ailleurs. Le plus souvent, l'aide de l'État se fait sous forme de prêts. Mais ça n'a pas beaucoup de valeur dans la mesure où on multiplie les clauses échappatoires. On va dire, si vous faites tant d'investissements, ça sera déduit du montant que vous nous devez. De toute façon, ils les auraient faites, alors. Ça nous en, eux autres, ça leur donne beaucoup, nous, ça nous, on s'en prive. En fait, les capitalistes n'aiment pas non plus que les gouvernements possèdent des actions, et surtout dans, avec un niveau suffisant pour avoir ce qu'on appelle des actions de contrôle. 18 à 25 à 30 % selon les compagnies et les marchés. Et ça, ils n'aiment pas ça que ce soit l'État ou des compagnies comme des compagnies d'État, des sociétés d'État comme la Caisse de dépôt. Parce que ce qu'ils aiment bien, c'est des prêts, c'est des choses dont ils peuvent se soustraire. Les actions sont obligées de verser des dividendes au même titre qu'aux autres capitalistes. Et là, ils n'aiment pas ça. Ils veulent bien qu'on prenne les risques, mais qu'on finance les risques, mais ils voudraient bien garder les profits pour eux. Elles vont préférer donner des actions à un projet spécifique, parce que pour chaque projet mini, on crée une compagnie. Et si la compagnie s'effondre, si elle est l'objet de poursuite, elle va faire banqueroute, soit on dit au gouvernement, ça va bien, on va vous donner des actions de compagnie-là. Mais le holding, lui, qui est très solide, on pourrait, comme gouvernement, dire, bien, je vais mettre de l'argent dans le holding, ça, c'est beaucoup plus solide. Si le projet tombe à l'eau, mes actions ne viennent pas de perdre leur valeur. Pensez ce qui s'est passé dernièrement avec la C-Série de Bombardier, où justement on investit dans le projet et non pas dans la compagnie mère. On se retrouve avec 3,3 milliards qui valent des pinottes, alors que si on avait investi 3,3 milliards en actions dans Bombardier, je vous donne une idée que ça donnerait un sacré montant dans le contrôle de la compagnie. Ça, ils ne voulaient pas de ça, les capitalistes. Ils ne veulent pas du tout que les quand c'est des petits ou c'est le gouvernement via tout qui représente tout le monde qui prend des actions, là, on trouve que c'est pas correct. Mais c'est correct pour les actionnaires individuels. Cherchez la logique. Vous m'expliquerez ça un jour. J'aimerais beaucoup comprendre. La réglementation, un autre moyen de contrôle. Mais ça contrôle certains aspects de l'exploitation. La pollution et généralement la remise en état des lieux, surtout dans le domaine métallifère. En forêt, la remise en état, je vous l'ai expliqué tantôt, c'est inhérent au système. En agriculture, il n'y a rien. L'épuisement des sols, c'est strictement privé et on se dit chacun pour soi dans ce domaine-là. C'est un domaine où il faudrait amorcer un débat, mais ça ne se fait pas. Mais on enlève souvent, on va parfois, comme je dis, avoir une réglementation qui contrôle les impacts de l'exploitation et aussi la remise en état, mais on enlève généralement cette responsabilité au ministère de l'Environnement pour la donner au ministère qui s'occupe des mines, qui est un ministère développeur. Jusqu'en 91 ou 92, si je me rappelle bien, je me rappelle, j'avais fait un article qu'ils n'avaient pas aimé à Québec là-dessus. Le ministère de l'Environnement, jusque-là, s'occupait de la restauration des mines. Ben parce que la restauration d'une mine, c'est pour remettre les lieux en état, c'est pour remettre l'environnement minimalement en santé. Mais on a décidé de prendre cette responsabilité et de la donner au ministère des Ressources naturelles, qui, évidemment, s'est balancé pendant 20 ans de l'opinion du ministère de l'Environnement quand il disait, regarde, on a fait un plan, là, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il faudrait ça, ça, on s'en balance. Alors, c'est évident que si vous demandez au loup comment on doit protéger les moutons, vous allez avoir des règles un peu laxistes. C'est exactement ce qui se passait. Et, mais là, récemment, la loi a été modifiée, là, au moment de où Mme Marois était première ministre, si je me rappelle bien, lors de la rénovation de la loi des mines. Là, on a dit que le ministère de l'Environnement avait un droit de veto sur les plans de restauration préparés par les ressources naturelles. Mais c'est quand même pas lui qui initie le débat. On calcule qu'il sait pas parler à des minières, donc à ce moment-là, il faut que ce soit les copains qui se parlent entre copains. Mais c'est très important parce que toute la culture de la restauration va être liée à la culture du développement et non pas d'un contrôle environnemental qui est la fonction d'un ministère de l'Environnement.
On exige aussi par réglementation des dépôts pour la restauration des mines. On dit, vous allez déposer l'argent parce qu'on n'est pas sûr que vous allez être là, éventuellement. Et ça, c'est assez récent. Là, maintenant, il y a l'obligation, dès la deuxième année, d'avoir tout le montant de la restauration sur la table, au grand complet, sinon la mine arrête. Ça, le Québec, là-dessus, est assez en avance. Mais quand on regarde les finances publiques, on se rend compte qu'il y a une bonne proportion, en tout cas, des dépôts qui n'ont pas été exigés par le ministère dans les temps. Alors là, cherchez l'erreur encore. Alors, il y a du copinage. L'industrie, évidemment, est réfractaire à ce qui serait la solution de base en termes de, pour assumer les responsabilités ici, ce serait la création d'un fonds minier. C'est-à-dire que présentement, on demande des garanties financières de restauration pour des horizons de 30 à 40 ans à peu près en général. Les toiles, les protections qu'on met sur les tailings, là, les rejets miniers, ça dure à peu près ça, 30 à 50 ans. Il y a peut-être 50, 75. Mais le problème, c'est qui va payer quand ces toiles-là, quand ces membranes-là seront complètement caduques dans 100, 125 ans. Là, on refile une facture aux générations futures. La solution que les Américains ont trouvée, c'est un grand fonds dans lequel tout le monde participe. T'exploites, tu mets de l'argent dans le fonds. Quand tu seras plus là, on s'en balance, le fonds va être encore là. Alors, c'est une sorte de fonds des générations alimenté par les exploitants de tous les niveaux. Ça comprend, eux autres, ils mettent même là-dedans les compagnies qui font de la pollution. Alors, pour que, quand la compagnie disparaît, on est capable d'intervenir. C'est ce qu'appelle aux États-Unis le super fund. Alors donc, voyez-vous, nous au Québec, on n'est pas rendu là. Il y a une opposition complète de l'industrie minière dans ce domaine-là. Puis le gouvernement veut même pas discuter de l'hypothèse. Alors, quels sont les grands enjeux qui restent sur la table une fois qu'on a dit ça? Moi, je vous avoue que dans ma façon de regarder le problème, je pars d'un principe, c'est peut-être pas celui que vous avez en tête, mais moi, je me dis, à court et à moyen terme, là, c'est pas vrai qu'on va transformer le système capitaliste. On pourrait dire que ce serait, la solution, c'est de changer le système capitaliste puis le système d'exploitation. Mais vous savez, on n'est même pas capable de s'entendre sur une convention sur le changement climatique. Pensez-vous que demain matin, on va faire une convention internationale pour changer le système capitaliste? Alors, si vous pensez ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je pars du principe que même si le Québec devenait un pays extrêmement ouvert dans ce domaine-là, il baigne dans une mer d'un capitalisme international, et il ne peut pas s'en tirer autrement. Donc, dans ce contexte, qui est une contrainte que j'aime pas, mais elle est là, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, c'est d'abord des mécanismes réglementaires plus solides, on pourra en parler plus tard, mais je pense que c'est surtout, et c'est le domaine le plus faible du débat environnemental présentement, c'est de discuter de l'internalisation des coûts. C'est-à-dire, c'est de jouer le système capitaliste contre lui-même. C'est de dire, en principe, tu es censé faire en sorte que le prix facturé pour la production reflète tous les coûts. Sauf que dans le moment, tu dépollues en partie. Donc, il y a un coût pour la société que tu ne payes pas. Tu vas avoir des émissions atmosphériques, tu ne payes pas toutes. Tu ne vas pas nécessairement offrir une protection sur 150, 300 ans. Encore là, tu refiles la facture à la société. Et tu ne payes pas la juste part des redevances, surtout sur les ressources qui sont épuisable, en quantité finie, surtout les ressources métallifères. Ce coût-là est ridicule par rapport à ce que ça s'est vu priver les prochaines générations de ce bénéfice. Alors, si on faisait l'internalisation de ces coûts, qu'est-ce qui se produirait? Les projets coûteraient beaucoup plus cher et plusieurs ne pourraient pas voir le jour présentement. Ça forcerait le report des projets jusqu'à temps que la valeur des métaux soit assez forte pour absorber tous ces coûts-là et faire en sorte qu'on ne les refile pas à la société. Les gouvernements, dans le moment, ne discutent pas de comment devrait-on étaler la production du cuivre? Comment devrait-on étaler sur 300 ans l'exploitation de nos ressources métallifères, quelles qu'elles soient? Il faudrait le faire. Si on veut être juste pour les générations futures, il faudrait leur en laisser. Alors, si on ne en laisse pas, faut intégrer ce coût ou de trouver des mécanismes comme l'internalisation des coûts, mais la faire de façon rigoureuse puis sans compromis. Là, on aurait un étalement des projets parce que la plupart ne seraient pas possibles maintenant, parce que la plupart sont rentables, parce qu'ils refilent une partie invisible des coûts à la société. Et ça,
il n'y a pas de débat en profondeur, il n'y a pas d'études universitaires sur les coûts indirects, les coûts invisibles. Pourquoi on ne travaille pas là-dessus? Ça, ça serait la façon d'utiliser le système. Et il faudrait aussi dire que, puis ça ne pas se fermer les yeux là-dessus, même s'il n'y a pas de miracle à attendre de ça, c'est la technologie. Je vous donne un exemple. À la dernière Assemblée annuelle de l'industrie minière à Montréal, ben, il y a un représentant de Barrick Gold qui disait à l'industrie, « Réalisez-vous que depuis 100 ans, on n'a pas changé une seule de nos méthodes, sauf celle de grossir la taille des équipements. Les camions sont plus gros, les concasseurs sont plus gros, tout est plus gros, tout est plus vite, mais on a toujours la même stupide stratégie de développement de nos mines. On prend le matériel dans le fond, on le sort, on le concasse en surface, on fait des dépôts qui sont exposés à la lumière, à l'eau et qui lixivient. Alors que, ils disent, on a la technologie dans le moment pour faire des mines à peu près, pas impact nul, mais impact réduit de 90%. Par exemple, si vous électrifiez toute une mine, si vous concassez dans le fond, puis qu'au lieu d'avoir des camions qui montent ça, vous montez ça avec un concasseur. Vous mettez le concasseur, au lieu de le mettre à la surface, il est dans le fond, puis il descend avec la mine. Puis en haut, vous faites des tas, puis quand vous avez fini, vous prenez le matériel, vous le remettez dans le concasseur, puis il redescend. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de prendre l'électricité à cause du poids, le moteur du concasseur crée de l'électricité. Et le monsieur de Barrick Gold montrait comment en Afrique, dans une mine, ils vont produire de l'électricité pour 6 villages qui ont vécu les impacts miniers. Non seulement ils vont remplir le trou, ici il n'y a pas une compagnie qui veut remplir un trou, ils disent ça te coûte trop cher. Là ils font de l'argent à remplir le trou, produit de l'électricité. Puis eux autres ils ont décidé qu'ils électrifiaient pour les 20 prochaines années gratuitement les 6 villages autour, puis ils vont restaurer la mine, puis ça ne lui coûte rien de remplir le trou. Et ça, ça se fait en Afrique, puis ça se fait pas au Québec, pays où on a de l'électricité. En fait, on devrait faire comme les Américains. On devrait, puis je pense au plan technologique, on ne peut pas faire des miracles, mais on est capable d'exiger, et on devrait exiger, surtout « best available technology ». On ne devrait jamais accepter qu'une minière mette en place une technologie qui n'est pas la plus avancée connue dans le monde. On arrêterait de produire, excusez-moi l'expression, mais des horreurs. Et ça, ces technologies existent. Je suis tombé sur le dos dans des audiences publiques que je présidais, de tomber sur des rédactions, sur des textes qui me montraient que tout ça était possible, mais que rien de ça n'était même envisagé ou examiné au Québec. Alors moi, je pense qu'il y aurait des sacrés débats pour botter le derrière bien du monde, pour que dans ce domaine-là, on mûrisse nos règlements, qu'on mûrisse notre vision de long terme, qu'on l'étoffe et qu'on puisse exiger le maximum de la technologie. Je pense qu'on provoquerait un étalement à long terme des dossiers et ça serait dans l'intérêt de nos générations et des générations futures. Ah, ça, c'est les enjeux, je pense, qui sont inhérents à ce dossier-là. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes tout le monde probablement d'accord avec moi qu'on pourrait vous écouter parler pendant des heures et des heures, une source d'informations incroyable. Donc, super intéressant en fait, puis de voir que finalement, ce système qui extrait des ressources, vous avez parlé beaucoup des mines, mais évidemment, le système extractiviste, c'est la forêt, c'est les pêcheries, c'est les hydrocarbures, c'est même l'eau, c'est même écoutez, il y en a de toutes les ressources qui peuvent être là, qui sont extraites, et le but final est toujours de faire le maximum de profit. Et comme vous l'avez dit, il y a certains mécanismes qui sont mis en place, mais à partir du moment où ces mécanismes-là vont aller affecter le profit, vont aller réduire ce profit, ben ils sont au final un peu mis de côté et assez inefficaces au final. On va passer tout de suite, je pense, au deuxième bloc avec Diana. Donc là, on comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est l'extractivisme, donc l'état global, les mécanismes qui sont mis en place pour le contrôler. Maintenant,
quels sont les liens entre cet extractivisme qui exploite la terre, qui exploite les ressources de la terre, et les liens aussi avec les populations qui vont habiter proches parfois des mines ou des projets d'hydrocarbures, surtout bon les liens avec les femmes, avec les communautés racisées, plus marginalisées aussi. Comment ce système-là va exploiter à la fois ces communautés comme il exploite la terre? Donc, Diana. Allô? Bonsoir. ¿Se escucha? Oui. Ouais. Bon, ce que je veux contribuer pour, dans un sens aussi de dialogue, de savoir, de complémentarité, c'est des connaissances que, pour moi, ont beaucoup de légitimité, c'est pas des savoirs d'experts, mais c'est plus des connaissances qui ont été construites dans les luttes et en solidarité et avec des gens qui habitent près de rivières, qui parlent avec la nature, des liens qui ont été établis entre les communautés par tout le monde, et c'est depuis là que je suis capable de m'exprimer avec ces idées qui ne sont pas créées pour moi ou parce que je suis professeur ou quelque expert dans le domaine extractif, mais c'était plus la participation dans des luttes contre l'extractivisme. C'est ça. En première, je veux contribuer avec une perspective qui nous permet de faire des débats sur l'extractivisme sans oublier la dynamique entre les empires et les colonies. Il est important de réfléchir autour de la place que chaque territoire a dans l'engrenage du capitalisme mondial et les politiques d'expansion impériale qui ont été mises en œuvre avec des processus de colonisation très forts, impliquant l'invasion militaire, l'occupation des territoires, la violation des femmes, l'assassinat de peuples entiers, l'esclavage. Quoi? Plus loin? Ah, attends. Ah, si? Ah, comme ça? L'imposition des façons de vivre et aussi des idéologies pour générer toute l'accumulation de capital. Donc, toutes les richesses des empires ont été générées par l'exploitation de corps et de territoires dans les colonies. Donc, toute la richesse du Nord, par exemple, et l'autre visage de la dépossession qui est la base de l'extractivisme. Bon, c'était comme une partie pour complémenter ce que... comment? Louis-Gilles. Que lui a dit. Pour le deuxième bloc, je voudrais dire que les mines, les hydrocarbures, les barrages, les plantations sont activités qui dépendent du contrôle de territoire pour mener des activités extractives. Donc, chaque droit qui est octroyé à une entreprise, à une société extractiviste, signifie la violation de plusieurs droits des communautés affectées et des territoires. Tout le temps dans la réflexion des doubles visages. Donc, l'extractivisme est le véhicule de l'économie capitaliste, c'est comme la voiture, qui accompagne son trajet en utilisant tous les systèmes d'oppression. Oui, l'extractivisme utilise toutes les relations asymétriques qui ont été établies historiquement pour faire
cette démarche. Donc, toutes les relations inégales de pouvoir, de genre, de race, de classe, vont se profondir avec l'extractivisme. Donc, on connaît les impacts. Et moi, je ne voudrais pas qu'on parle beaucoup des impacts, mais de les luttes qui ont été mises en œuvre pour faire face. L'histoire de l'exploitation et l'histoire des cycles de lutte aussi. Et les exploiteurs, comme les copains a dit, ont changé, je ne peux pas prononcer les noms, je m'excuse. Les exploiteurs ont changé leur façon de domination parce qu'ils ont été forcés de les faire. Oui. Et c'est pour ça que toutes les formes d'oppression qui accompagnent l'extractivisme changent et aussi les luttes se renforcent. Oui, chaque fois. Et la vie est au centre des luttes pour pouvoir être, pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre sur un territoire. Et imagine tout ce qui passe avec la migration, des milliards de personnes qui n'ont pas un lieu pour exister dans la terre. C'est terrible aussi pour qu'on réfléchisse qu'on ne peut pas poser les débats de l'extractivisme dans les domaines de qu'on a besoin de satisfaire des nécessités. Bien sûr qu'on a besoin de s'échauffer parce qu'il fait beaucoup de froid, par exemple, ici. Mais l'extractivisme ne parle pas de ça. L'extractivisme parle de d'extraction pour être vendu dans les marchés mondiaux, pas pour garantir la base de notre existence. Donc, il y a beaucoup d'exemples de lutte que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne voudrais pas qu'on parle d'une lutte spécifique parce qu'il y a plusieurs. Mais ce que j'analyse, c'est qu'il y a des mouvements qui sont en train de changer cette logique. Et, par exemple, moi, je suis partie du Carnaval pour la vie. Et la raison d'existence du Carnaval pour la vie était qu'il y a une femme qui s'appelle Sandra Viviana Cuellar, gallego, qui était disparue forcément le 17 février 2011, en Cali, Colombie. Et je voudrais dire une petite chose aussi, qu'elle était impliquée dans plusieurs espaces de lutte, mais aussi elle était impliquée avec des amis de la terre en Colombie. Et elle dénonçait beaucoup de situations liées à toutes les plantations de canne à sucre et aussi les plantations d'arbres comme pin ou eucalyptus. Oui, je m'excuse. Et après tout ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et plus que la tristesse, la stratégie était la joie pour faire face à un système qui veut de plus en plus que vous êtes contente à partir de tout ce qu'on consomme. Et la tristesse, c'est aussi un outil de domination qu'on a dans le moment. Ça, c'est un exemple. Ou des autres très inspirants en Colombie, les communautés qui ont décidé de rentrer directement pour couper les plantations et récupérer ces territoires. Donc, il y a aussi, je me rappelle dans ce moment que Berta Cáceres, quand elle était plantée, elle s'est multipliée. Oui. Et je me rappelle aussi de femmes qui sont gardiennes de semences et qui ont toute une compréhension
de l'éthique des soins. Donc, c'est précisément pour cette raison que la défense de la terre-mère, de la nature, est considérée comme une activité dangereuse et subversive, terroriste. C'est précisément parce qu'ils mettent en question, en échec, tous les modèles dominants qui sacrifient la vie en toutes ces dimensions pour nourrir un système de mort et de destruction. Donc, c'est plus ça que je voudrais partager. Merci beaucoup, Diana. J'ai beaucoup aimé ton analogie entre ce système-là qui est comme ce véhicule qui s'alimente de tous les systèmes d'oppression pour avancer. Très intéressant. Puis, c'est fascinant, en fait, ce que tu dis, à quel point le modèle extractiviste va aller violer les droits des communautés. Et, c'est même un viol du droit à la vie, même, puisque tu en as parlé, des militantes environnementaux qui se font assassiner. C'est environ 150 par année qui se font assassiner pour avoir lutté pour protéger, vous dites, plus que ça même, c'est connu, je pense, c'est à peu près connu, répertorié, puis après ça même des disparus et tout ça, donc c'est énorme, et donc c'est un droit même à la vie, un droit de manifester, un droit de montrer son opposition qui est complètement bafoué, et il y a évidemment, même ici au Canada, on a notre propre responsabilité par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de ces militantes-là qui sont assassinées par, entre autres, des compagnies minières canadiennes, entre autres, des barrages qui sont construits aussi dans les pays d'Amérique latine et qui sont détenus par des compagnies canadiennes. Même, je crois que c'est la Caisse de dépôt et de placement qui investit aussi dans un barrage qui devrait être construit. Il y a des gens qui ont été assassinés, si je me souviens bien, récemment. Donc, c'est notre argent collectif qui, à toute fin pratique, assassine des gens d'Amérique latine. Donc, quand même, de réaliser ça aussi, que ce système impérialiste, on en fait partie encore énormément, en fait. Donc, merci beaucoup. Est-ce que certaines personnes voudraient réagir sur ces liens-là entre les viols des droits des communautés, les systèmes d'oppression, extractivisme? Personne n'ose. Allez-y, osez. Ben, c'est sûr que j'y reviendrai tout à l'heure dans ma présentation, mais ce que j'ai envie de dire juste, c'est que face à tous les défis que l'humanité a à relever en ce moment, face à la lutte au changement climatique, la protection de l'environnement, tout ça, si on voit juste les choses en termes de diminution de gaz à effet de serre, on n'aura pas forcément plus évolué en termes d'humanité. Parce que oui, il y a des enjeux liés à l'extractivisme dans la transition énergétique. Je ne m'étendrai pas plus, je vais en reparler tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment très, très, très important de le relever parce que une transition, si elle est juste environnementale, n'est pas plus juste non plus, c'est ça. Elle doit non seulement être environnementale, mais elle doit être avant tout aussi humaine. Je vais prendre celle-là. OK. Oui, je vais aussi revenir, vous m'entendez bien, ça va? Je vais aussi revenir dans ma présentation, mais ce qui est assez évident, c'est que la dépendance qu'on s'est donnée en tant que société aux énergies fossiles, notamment, mais à l'ensemble des ressources naturelles, mène à ces extrémités-là, d'une part, et ce qui est assez affreux, c'est à quel point ce besoin de capitaux-là mené aussi, ils ont les États qui sont censés représenter les gens, à agir souvent comme agents de liaison avec le grand capital à ce niveau-là. Et en tout cas, j'y reviendrai aussi sur comment et pourquoi ça se fait. Pourquoi, on s'en doute, mais sur comment ça rentre dans une espèce de grand piège qui s'appelle le piège des économies primarisées, j'y reviendrai tantôt. Oui, juste quelque chose qui me pop, ce serait une question pour M. Francoeur. Vous qui avez été vice-président, c'est ça, du BAP ces dernières années, est-ce que justement ce sont des impacts que vous regardiez dans les projets qui vous y étaient apportés, les impacts humains? On peut penser à des projets de mines, par exemple, comme Malartic ou d'autres. J'ai envie de dire au Québec, mais aussi ailleurs peut-être.
Mais le pape se présente, pardon, ne se préoccupe pas des projets ailleurs. Il examine uniquement les projets ici. Puis ce qui est important, c'est de dire aussi, c'est que c'est uniquement les projets au sud du 51e parallèle. Parce qu'au nord, c'est la Convention de la Baie James. Et ça, à ce moment-là, c'est un autre mécanisme d'évaluation environnementale qui est propre à la Convention, son article 24, qui s'applique. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est probablement le chapitre le plus important dans un rapport. D'abord, c'est la justification d'un projet. On a-tu besoin de ce projet-là? Il n'y a aucune raison de faire des projets qui ne sont pas justifiables, au plan économique, au plan social, etc. Deuxièmement, quand on analyse les impacts sociaux, la grille de référence aujourd'hui, c'est au fond, le public n'a pas un droit de veto, mais aujourd'hui, il est de plus en plus admis que l'acceptabilité sociale exige que le promoteur aborde le projet dans une logique de co-construction. C'est-à-dire que tu bâtis le projet avec la population locale. C'est ce qui fait que dans les pays d'Amérique latine et ici, il y a quand même un fossé absolument inouï. Là-bas, dans ce que j'ai lu, des projets en Amérique latine ou en Afrique, on écrase les populations avec souvent le pouvoir gouvernemental. Il y a des symbioses entre les deux qui font que on va à toutes les extrémités, puis on poursuit pas les massacreurs de tout acabit, que ce soit par, qui tue par la pollution, qui tue au fusil ou par la violence de toute autre sorte. Bon, au Québec, heureusement, on n'est pas là. Et on a adopté des modèles beaucoup plus performants. Même le ministère des Ressources naturelles, maintenant, dit un projet doit être co-construit. On a stoppé la production des gaz de schiste dans le corridor fluvial du Saint-Laurent. On dit qu'il n'y aura plus, là, parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est la raison que le gouvernement a donnée. On est loin de ce qui se passe dans un pays comme ce que Diana nous expliquait tout à l'heure, comme ma copine disait. J'ai trouvé ça chouette, comme dit. Excusez-la. Mais vous voyez, même les cris avec la Convention de la Baie James, ils sont rendus qu'ils ont négocié pour la mine Renard, par exemple, une mine de diamants, ils ont négocié d'avoir leur propre redevance sur l'exploitation de la mine. C'est notre territoire, c'est nos ressources. Québec veut sa part. Parfait. Nous autres, on veut un autre. Et ça va au point où, pour le contrôle environnemental, vous savez, quand vous avez 3000, 2000 travailleurs blancs qui viennent du Sud puis qui font la navette en avion tous les 15 jours, là, à ce monde-là, la fin de semaine, qui passe en haut, ils veulent s'occuper. Ils prennent d'habitude le pick-up de la compagnie puis ils s'en vont se crapper les lacs, puis faire de la surpêche puis tirer tout ce qui passe de caribou, même s'il n'y en a plus, etc. Alors, les autres, ils ont dit non, c'est fini, ça. Nous autres, le contrôle des camions qui sortent des fins de semaine, c'est le chef de banque qui va contrôler ça. Ce qui fait que même, ils contrôlent même la population des Blancs qui est dans le territoire parce qu'ils sont tannés d'avoir des impacts sociaux, de prostitution, de drogue, etc. Ils ont poussé le contrôle du développement minier jusqu'à au contrôle de ses séquelles sociales. Alors, on est évidemment très loin des compagnies qui arrivent puis font un barrage sur une réserve d'eau, noient deux villages, s'installent, polluent la rivière, même s'il y a du monde qui boive l'eau sur 100 km en aval. C'est pas ça au Québec, là. Alors moi, ce que je faisais tantôt, je faisais une belle présentation rationnelle, mais quand je disais impacts sociaux, dans impacts sociaux, je mettais tout ce qu'elle dit. Au Québec, dans impacts sociaux, c'est un peu plus léger que ce qu'on mettrait en Amérique latine. Ça, je vous avoue que c'est plus facile à gérer comme commissaire. Mais c'est des éléments essentiel. Et beaucoup de rapports du BAP ont dit que ça n'est pas acceptable. Par exemple, à un moment donné, puis c'est un exemple classique, au Parc de Montréal, deux projets éoliens. Un à Saint-Constant, puis un autre là, tout près de du fort dans le Richelieu. Là, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Alors, dans un cas, le promoteur, lui, s'était mis à la disposition des citoyens. C'est-à-dire, il s'est installé, puis il a dit, regardez, là, on veut faire un projet, on a tant de machines. Ah, les gens disent, non, on n'en veut pas là. Ah, OK, parfait. Alors, je vous annonce que ça vient d'être rayé. Moi, c'est moi qui ai plein pouvoir. Alors, les gens disaient, j'en voudrais plutôt là. Ouais, on va regarder si c'est possible, on en mettra deux, trois là. Ils ont bâti le projet de semaine en semaine avec la population. Mais quand on lit les mémoires à cette audience, les gens faisaient des mémoires pour proposer l'adoption du projet. À 5 km de là, un autre promoteur, il arrive, ça va être ça, vous n'avez pas un mot à dire, c'est un maudit bon projet, je l'ai étudié avec mes consultants, puis c'est bien bon. Alors, c'était la révolte,
Puis le BAP a dit non, puis le gouvernement a dit non. Alors, l'acceptabilité sociale aujourd'hui, c'est un critère qui est très fort. Je dis pas que le gouvernement suit toujours les recommandations du BAP, ça j'en sais quelque chose. Mais il n'en reste pas moins que ça a un poids. Par exemple, Malartic, le BAP a fait des recommandations qui n'ont pas été suivies. Bon, vous le savez très bien, là, c'est pas un secret de polichinelle que je suis en train de révéler. Mais ça a une influence sur le dossier. Ça donne un poids moral et même des fois un poids pour que les citoyens aillent devant les tribunaux par la suite. Alors, le poids du débat social, pas du BAP, du débat social que génère le BAP, ce poids-là social est très important pour la suite des choses. Mais évidemment, ça veut dire qu'il y a un lieu pour débattre. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de lieu pour débattre, où on vous passe au bulldozer sur le dos, bien évidemment, c'est une autre logique. Merci beaucoup. Super intéressant cette idée-là de justement de travailler avec la population. Vous en avez parlé aussi un petit peu tout à l'heure de capitalisme. Je pense que ça vaut la peine d'aborder la question. On va passer au troisième bloc. Donc, cette idée-là entre les liens entre le capitalisme et le système extractiviste, puis est-ce que dans un autre système est possible? Est-ce qu'un système où c'est vraiment plus du socialisme, c'est nécessairement mieux? Pas nécessairement, en fait, j'imagine, parce que comme on l'a vu récemment, on a tous et toutes acheté collectivement un pipeline de sable bitumineux, donc ça, c'est assez socialiste quand même comme façon de faire, et pourtant, si pas chouette que ça, normalement. Donc, voici Bertrand, c'est à toi. Oui, OK. Vous m'entendez bien? Oui, en fait, je vais essayer de répondre à la question que M. Franca nous demandait tantôt pourquoi on fait pas mieux et on n'essaye pas d'avoir une meilleure industrie minière ou industrie pétrolière plus responsable, d'une part, puis ensuite de démontrer comment aussi le modèle extractivisme mène à systématiquement, ou en tout cas dans la vaste majorité des cas, à une forme de piège qui est de toujours finalement retourner vers la matière première comme cœur de l'économie d'un pays qui est extractiviste. Que ce soit à travers le néo-extractivisme ou non, en fait, les processus sont souvent les mêmes. Là, j'ai une petite image qui est ici. Peut-être pas nécessairement, en tout cas, je vais essayer d'aller assez rapidement, peut-être pas trop porter attention sur les termes qui sont utilisés, mais parce que je vais les expliquer, mais essentiellement, je vais prendre l'exemple du Canada et de l'Alberta des sables bitumineux, mais vous pouvez facilement vous imaginer un pays où, par exemple, le pétrole est comme le Venezuela ou comme un autre pays où finalement le pétrole est le centre ou n'importe quelle autre matière première est le centre de l'économie. Pour donner un exemple, pensons, on arrive à un point de départ, supposons là, la partie qui est ici, juste à votre gauche, en fait, c'est ça. On est à la relation entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire, on est au Canada, en Alberta, on réalise que finalement, le prix du pétrole, du baril de pétrole permet à ce qu'on exploite les sables bitumineux, ce qui était à peu près impensable 20 ou 30 ans auparavant. Donc, soudainement, on se dit, on pourrait commencer à exploiter le pétrole. Or, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas une expertise au Canada tant que ça pour exploiter ce type de pétrole-là. Il y a d'autres places ailleurs. On demande à des compagnies étrangères qui ont des capitaux de venir investir chez nous pour exploiter le pétrole des sables bitumineux. Donc, on commence à faire ça. Ou sinon, c'est des petites compagnies locales qui commencent, qui sont rachetées par des grandes entreprises internationales qui vont finalement faire l'exploitation. Alors, pour l'Alberta ou le Canada, ça va bien. Hein, présentement, les exportations canadiennes, 38% des exportations canadiennes, c'est des matières premières. Alors, c'est le cœur ou à peu près de notre économie. L'énergie, c'est 16% des exportations canadiennes. Ça compte pour un peu plus que 10% du PIB, juste le secteur énergétique au Canada. Donc, ce qu'on se dit, c'est parfait, ça crée de la richesse. On a un PIB qui augmente, on est heureux, puisque finalement, chaque baril de pétrole qu'on va chercher, qui ne nous coûte pas si cher à l'extraire si on prend litre par litre ou baril par baril, on le vend beaucoup plus cher, ça fait augmenter le PIB, surtout pensons dans les années 2010 où le prix du pétrole était systématiquement en hausse. Et donc, à ce moment-là, notre PIB est toujours grandissant et c'est bon pour l'économie, entre guillemets. Je fais une petite parenthèse. Mercredi prochain, ça va être la mise à jour économique du Canada, qui va nous dire que tout va bien économiquement parlant, puisque le taux de chômage est bas et la seule
la seule prise que les conservateurs ont pour attaquer présentement les libéraux sur la question économique, parce que les conservateurs ne feraient pas beaucoup de choses bien, bien différemment que les libéraux sur l'économie. Ils vont dire, regardez, le déficit est encore important, on a une dette élevée. La réponse de M. Morneau, je vous le garantis tout de suite, ça va être, oui, mais notre ratio dette-PIB est plus faible que par le passé. Donc, on génère plus d'énergie, plus d'activité économique par rapport à notre dette. Donc, ça va bien, on a la plus faible de tous les pays du G7. Il va nous dire ça, j'en passe un papier. Ceci étant dit, supposons que le baril du pétrole chute de 40 %, ce ratio-là explose. De la même manière, si ce ratio, si le baril de pétrole passe à 150 $ le baril, on a l'air des grands champions de l'économie, on n'a absolument et strictement rien fait. Et donc, il faut être relatif avec ça, et donc ça démontre à quel point, quand on prend le PIB comme indicateur ou le PIB comme manière de calculer quelque chose, il y a un nombre assez incroyable de variables qui peuvent jouer et qu'il faut faire très attention avec cet indicateur-là. Bon, c'était ma parenthèse de gars qui va aller regarder la mise à jour économique mercredi. Ceci étant dit, vous avez des vies palpitantes, moi aussi. ceci étant dit, si on suppose cette situation où finalement il y a une exploitation du pétrole, des sables bitumineux ou de n'importe quelle ressource, ça va bien économiquement, l'économie de l'Alberta explose, tout le monde est content, on cite l'Alberta comme exemple économique à prendre, on construit Fort McMurray, on quadruple, que dis-je, on rend la population 10 fois plus grande, il y a un paquet de problèmes sociaux qui embarquent avec ça à Fort McMurray, et là on voit le même type de problème qu'il peut avoir dans des pays d'Amérique latine, à beaucoup plus grande échelle que chez nous, là, entendons-nous, et par la suite arrive un moment où est-ce que finalement le gouvernement se fait un peu complice, ou les institutions se font un peu complices pour aider l'économie. Dans le cas du Canada, ça a été, on va se retirer de Kyoto, par exemple. Parce que là, si on suit Kyoto, on ne pourra pas exploiter le pétrole autant qu'on voudrait, ça ne marchera pas. Les droits des Amérindiens dans la région de Fort McMurray, là, c'est peut-être un problème. Donc, on va empêcher, finalement, des droits des Amérindiens sur leur territoire pour favoriser l'économie. Donc, pardonnez-moi. Donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, l'État finit par être en partie complice de ces industries-là et calculer le nombre de lobbyistes qu'il y aura de pétrolières au Canada versus le lobby très, très fort des Verts, là, par exemple, là, dont tu fais partie, j'en suis persuadé. Et vous allez comprendre à quel point, je pense que les dernières études, la dernière étude que j'ai vue, je pense mais ça date un peu, mais en 2014, le premier ministre et les personnes élues avaient rencontré plus de 791 lobbyistes, alors qu'ils avaient rencontré un environnementaliste. Ça donne un exemple du rapport de force, disons. Et puis, en fait, tout va bien. Donc, l'État applique une certaine rigidité sur les lois pour favoriser les pétrolières, dans le cas qui nous occupe. Sauf qu'il arrive un moment spécial, c'est la crise. Arrive un moment qui change. Peu importe c'est quoi. Au Canada, ça peut être, par exemple, l'arrivée du gaz de schiste qui a fait que les États-Unis ont réussi à se développer une énergie qui était importante et ils étaient moins dépendants du pétrole canadien. Et donc, ce que ça mène à faire quoi? Ça mène au Canada à dire, il va falloir trouver un autre pays à qui exporter. On va faire un pipeline pour essayer d'aider. TransCanada va le faire. Et là, hop! Suite à cette même crise-là sur l'acceptabilité sociale, la Colombie-Britannique ne veut pas qu'on passe le pipeline. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État? On va favoriser l'entreprise en faisant un endettement. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas qui nous occupe, on va acheter le pipeline à l'entreprise privée pour le favoriser. Et pour surtout pas empêcher les capitaux étrangers ou même les nôtres d'investir dans le pétrole. Donc, pour essayer de nous ramener à la situation initiale, qui est à dire, on s'endette de plus en plus pour faire vivre une économie pétrolière, et donc on a besoin de plus en plus de pétrole pour soutenir cette économie-là, avoir un bon ratio dette-PIB, et donc finalement, on revient à la case départ, où finalement on va espérer avoir plus de pétrole, aller chercher des capitaux idéalement étrangers ou d'ailleurs pour continuer à forer du pétrole ou d'autres ressources naturelles, qui un jour vont remonter de prix parce que c'est les aléas,
ça va bien aller, on va retomber dans le même type de problème, ce qui fait que ça nous mène systématiquement à favoriser des ressources de matières premières à d'autres. Pour donner un exemple, dans les années 70-80, c'est sûr qu'il y a eu la crise et le pétrole c'était difficile, mais on a passé des ressources naturelles où on était passé de 40% finalement de l'ensemble de ce qu'on était capable d'exporter des ressources naturelles. On a diminué ces exportations-là. On a eu beaucoup d'exportations d'aéronautique, par exemple, au Canada, pour finalement revenir avec la montée du prix du pétrole dans les années 2000 à exporter beaucoup plus de pétrole que d'autres produits. Maintenant, comment on peut changer ça? C'est la question qui est intéressante ici. Plusieurs pays, au moment de la crise de changement et d'instabilité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont nationalisé les ressources naturelles, ce qui amène en partie à ce qu'on a parlé du néo-extractivisme, c'est-à-dire où l'État contrôle beaucoup des ressources naturelles, mais finalement reproduit un peu le même schéma. Donc, finalement, c'est un problème. Il y a des chercheurs qui disent, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est transformer l'économie à ce moment-là. Et où est-ce qu'il y a une crise, finalement? Bien, accepter qu'il y a une crise et changer notre économie. Présentement, on parle d'alternatives économiques, on parle de transition. Bien, je fais un exemple ici. Bon, c'est peut-être un peu petit, là, je vais vous le résumer rapidement. Je suis un gars de chiffres, hein. Excusez-moi, moi j'ai mes petites choses qu'on regarde bien proche. Mais essentiellement, c'est chaque million de dollars investi, c'est le nombre d'emplois qui sont créés par million de dollars investis. Quand on regarde l'exploration au Canada, quand on regarde l'exploration pétrolière et l'exploitation pétrolière, pour chaque million de dollars qu'on investit, on crée en exploration pétrolière 8,6 emplois, puis en exploitation pétrolière, on en fait 10,6. Prenons par exemple toute n'importe quelle forme d'efficacité énergétique. Gestion de la demande en énergie, par exemple, bien, ça crée 14,2 emplois. Ça en crée plus, ça génère une meilleure économie. Quand on exploite de la bioénergie, c'est 16,4 emplois. Quand on fait du recyclage d'énergie, c'est 16,1 pour un emploi pour chaque million de dollars. Bref, c'est systématiquement plus avantageux présentement de développer une nouvelle énergie, une nouvelle industrie, puisque tous les emplois qu'on a pu créer dans le pétrole, on l'a déjà fait. Alors, ce qui nous reste, c'est de développer des nouvelles industries, d'essayer de le faire. Donc, est-ce que ça veut dire que demain matin, on n'aura plus besoin du pétrole? Certainement pas. Est-ce que ça veut dire que la transition énergétique et économique doit nécessairement passer par... Il faut dire qu'à très long terme, on va vivre uniquement avec ces énergies-là, puis on peut garder le même rythme de vie. Je ne pense pas non plus. Je pense qu'à terme, il va falloir réfléchir à une forme de décroissance. Mais ceci dit, présentement, la balle qu'on a devant nous, c'est comment on peut transiter vers d'autres choses. Et si on veut prendre le capitalisme à son propre jeu, on peut aussi dire, vous avez manière de faire autant d'argent, sinon plus, avec des nouvelles technologies. Maintenant, à terme, il va aussi falloir qu'on soit capable de diminuer notre consommation générale. Juste pour dire ce que je vous ai montré plus tôt, le staple trap, c'est un professeur de Montréal, de McGill, qui l'a démontré. Et il démontrait comment, dans les années 1800, le colonialisme était capable de contrôler, existait. Et finalement, comment les pays colonisés étaient complètement soumis aux pays qui venaient, les pays qui avaient plus de pouvoir et d'argent. Or, on reproduit la même chose avec les grands capitales présentement. Merci. C'est très intéressant de voir ça, que finalement, en sortant du pétrole, on pourrait créer plus d'emplois. Par contre, ça ne remet pas nécessairement en doute, justement, le système extractiviste. On pourrait extraire du lithium pour créer de plus en plus de batteries pour des voitures électriques. Donc, ça nous sort du pétrole, mais ça ne nous sort pas du problème tout à fait. Et tu l'as mentionné un petit peu, tu as parlé de décroissance. C'est la base même. Donc, on l'entend de plus en plus. Comment on peut espérer une croissance infinie dans un monde où les ressources sont finies? Bon, il y a des gens qui disent qu'on pourrait faire quand même une croissance financière qui serait découplée finalement de l'exploitation des ressources et ou qu'il y aurait une technologie qui nous permettrait justement d'avoir une croissance infinie. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, peut-être quelqu'un qui voudrait intervenir. Est-ce que justement pour se sortir de l'extractivisme, on doit absolument passer par une décroissance économique? Parfait. Il y a quelqu'un qui se lance, c'est merveilleux. Bien, on a un exemple, c'est la forêt. C'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, on exige des pourcentages de papier recyclé pour qu'une usine puisse fonctionner.
Et pour les sortes de papier, ça dépend. On va fixer 30, 40, 50 de papier recyclé pour justement réduire l'exploitation forestière. Alors, c'est évident que si on appliquait la même logique à tous les autres domaines de l'extractivisme, ben, on arriverait à étaler davantage les projets, on aurait moins besoin de projets. Et ça forcerait l'étalement des projets et ça rejoindrait une logique de protection des ressources naturelles à long terme au profit des générations futures. Mais dans le moment, comme mon collègue le disait, c'est Julien, hein, je m'attends. Non? Oh, Bert. OK. Alors, c'est mon copain pareil. Alors, comme le disait Bertrand, c'est sûr que le réflexe des compagnies, c'est plus simple, c'est d'aller dans l'exploitation du primaire. Les gouvernements, là, ont un rôle à jouer où ils devraient exiger des pourcentages de recyclés, de matières premières recyclées, pour que les usines fonctionnent avec moins de ressources nouvelles. Ça, je pense que c'est une politique qui serait élémentaire, mais à part le papier, je ne connais pas beaucoup d'autres domaines où c'est une exigence réglementaire. Éventuellement, le gaz naturel, je suis avec la politique énergétique, vous demandez un peu de gaz naturel renouvelé. Non. Sinon, c'est pas fait, mais essentiellement, c'est dans la loi pour 2025, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ce serait possible d'avoir quand même une, disons, croissance sans prendre toutes nos ressources tout de suite puis les gaspiller tout de suite, finalement. Ça, parce qu'évidemment, bon, c'est pas ça qu'on demande non plus quand on dit qu'il faut sortir de l'extractivisme. C'est pas qu'il faut arrêter complètement d'exploiter les ressources naturelles aussi. C'est de les exploiter de façon durable pour plusieurs générations. Je crois que c'est ça. Donc, écoutez, ben, on peut parler maintenant de, justement, les moyens de s'en sortir de ce système-là. Donc, on a parlé, entre autres, d'emplois qui seraient créés par une exploitation des énergies plus verte. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place aussi pour faire la transition. Donc, Anne-Céline qui va pouvoir nous parler des mesures à mettre en place pour une transition. C'est beau. Merci, Alissane. Bonjour tout le monde. Juste petit point de précision, je ne vais peut-être pas rentrer dans les projets précis de présentation de vers où véritablement avec un plan d'action sur la transition. Si je l'avais, mon Dieu, croyez-moi, je serais contente et je pense qu'on serait tous contents collectivement si on avait la solution miracle. Mais je veux vous amener quand même des principes de base qu'on a développés avec donc l'organisation que je coordonne qui s'appelle le Front commun pour la transition énergétique, qui est une coalition au Québec, à l'échelle provinciale, entre organismes environnementaux, syndicats, Premières Nations et comités citoyens. C'est une coalition qui, en soi, est assez unique en son genre pour réunir autant de secteurs d'activités différents de la société civile. Et ces gens-là, historiquement parlant, pour vous faire un portrait très rapide, on s'est beaucoup coalisé autour justement de la lutte au projet Énergie Est. Et dans le cadre de cette lutte-là, on s'est très vite dit le meilleur moyen de lutter contre les projets en lien avec l'exploitation des hydrocarbures, c'est de proposer la société de demain, la société qu'on veut pour la suite. De dire pourquoi ces projets-là n'ont au final plus d'allure au jour d'aujourd'hui. Donc, le Front, fort justement de tous ces acteurs différents-là, s'est posé la question pendant un an de dire c'est bien beau de s'appeler Front commun pour la transition énergétique, mais c'est quoi la transition énergétique? Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement, t'sais? Puis très vite, dans ce travail-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'allait pas forcément vouloir aller vers une définition coulée dans le béton, parce que les choses évoluent, vont encore évoluer beaucoup dans les années qui viennent, au gré des connaissances, évidemment, des besoins de la société. Mais on s'est dit, il y a au moins quelques principes de base sur lesquels on veut s'entendre collectivement et qui vont nous permettre aussi, par la suite, d'étudier, de voir les politiques publiques qui vont se mettre en place à la lumière de ces principes-là et de pouvoir après commenter plus facilement en tant qu'organisation soit des politiques publiques, soit des projets de transition particuliers. Donc, dans ces
principes-là, on en a développé 10. Évidemment, il y a la question de réduction. Le premier, j'ai dit en haut de la liste, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je ne m'étendrai pas vraiment trop là-dessus. En gros, le principe de base, c'est qu'il faut respecter l'accord de Paris et voir aller plus loin que ça. C'est un minimum pour faire la transition énergétique. On est dans une période d'urgence climatique. On a un vrai problème d'augmentation de gaz à effet de serre. C'est ce qui cause le réchauffement de la planète. C'est ce qui fait que présentement, on va clairement droit dans le mur en tant qu'humanité. Et pour lutter contre ça, ben, on n'a pas le choix que de diminuer nos GES. Ça, c'est clair, n'était précis. Mais au-delà de ce facteur, j'ai envie de dire, principal, et je vous centrale, c'est comment, justement, pour diminuer ces GES, si on voit la transition juste comme une histoire de switch énergétique, puisque bon, la production des gaz à effet de serre est beaucoup due, finalement, à l'exploitation des énergies fossiles, au fait de brûler soit du gaz, soit du charbon, soit du pétrole, pour notamment se transporter, pour notre agriculture, pour s'alimenter, pour s'habiller, pour, en fait, au final, tous les gestes quasiment de notre vie quotidienne. On va passer à côté de quelque chose. C'est plus que ça, la transition énergétique. La transition énergétique s'inscrit dans une transition écologique et sociale. Et c'est avant tout aspirer à des changements d'une ambition sans précédent. Et ces changements-là, ils sont, oui, il va falloir passer aux énergies renouvelables, d'où le fait de se poser la question de la problématique de l'extractivisme à travers ça. Et du coup, de se poser la question de l'humain dans tout ça. Et donc, de dire, ben, si on ne change rien du tout à notre mode de vie tel qu'il est à l'heure actuelle, qu'on continue à surconsommer au-delà de ce que peut nous fournir réellement la planète, que ce soit en termes d'énergie fossile ou même en termes de matières premières, comme on le disait, parce qu'il s'agit de forêts, il s'agit de métaux, il s'agit de plein d'affaires, là. Ben on va passer à côté de tous les impacts que l'extraction de ces ressources-là aussi demande, les impacts qu'elles peuvent avoir sur l'eau, sur la biodiversité et aussi, évidemment, sur les êtres humains. Alors qu'il s'agisse effectivement des communautés autochtones autour des sables, qui vivent autour des sables bitumineux en Alberta, qu'il s'agisse des communautés en Colombie ou ailleurs en Amérique du Sud ou ailleurs sur la planète, peu importe, avec la mondialisation qu'on vit à l'heure actuelle, les multinationales sont partout et appliquent partout le même modèle d'exploitation des richesses à outrance, au détriment le plus souvent des droits humains, pour assouvir nos besoins de tous les jours, que ce soit pour avoir notre iPhone, pour avoir notre dernière voiture électrique, pour avoir ce genre de choses. D'où l'importance de se dire, ben, tu sais, il faut faire attention à ça et il faut, l'élément principal, c'est réduire notre consommation. Tu sais, il faut absolument, tu sais, au-delà de tout le reste, là, se poser la première question à se poser, puis c'est le titre d'un célèbre livre en ce moment, c'est « En as-tu vraiment besoin ?» C'est tout simplement la première question à se poser. Mais au-delà du geste individuel que chacun on peut poser en disant ben, « Effectivement, je n'ai pas forcément besoin de changer mon iPhone à tous les 6 mois ou d'avoir la dernière voiture électrique à la mode », il y a aussi le fait de dire « Nos gouvernements doivent absolument agir de manière différente, doivent mettre en place des politiques publiques d'une ambition sans précédent. Et ces politiques publiques, au-delà de viser la diminution de gaz à effet de serre, qui effectivement est primordiale, doivent aussi en profiter pour réduire les inégalités sociales et essayer de régler aussi des problématiques d'inégalité de richesse, d'inégalité sociale de manière générale, t'sais. Donc, l'important, c'est vraiment de coller, j'ai envie de dire, de faire, j'ai le terme anglais dans les merger, mais c'est comme de mettre ensemble vraiment les questions environnementales et sociales, elles ne sont plus dissociables. Ça, c'est vraiment le message que je veux envoyer ce soir, là, au-delà de rentrer dans j'ai pas envie ce soir forcément de rentrer dans tous les critères de la transition qu'on a développé au front, vous pourrez aller les voir sur notre site internet, mais c'est vraiment ça, c'est de prendre en compte ces deux aspects-là, de les travailler
ensemble, pas de manière parallèle, là, mais vraiment liés, arrêter de travailler en silo et à travers la transition énergétique, faire attention au mirage de la croissance verte, au mirage d'une économie qui peut continuer sans problème, au même rythme, parce que les technologies propres ont aussi leurs défis. Et c'est important de le savoir parce que dans la transition, il faut être honnête, le défi est tellement grand qu'on va clairement faire des erreurs. Il faut se donner l'opportunité de les faire, ces erreurs. Ça, c'est un autre élément aussi sur lequel on veut appuyer au front. C'est ayons le courage d'essayer des choses. Oui, on n'aura pas toujours raison sur tout. Oui, on va parfois passer à côté de certaines affaires. Mais il y a certains pièges, par contre, qu'on sait qui existent déjà, dont celui de l'extractivisme. Donc, évitons-le à tout prix. Soyons respectueux des communautés qui vivent autour. Soyons respectueux de nous-mêmes, au final, de tous. Tu sais, ça, c'est pas juste les communautés qui vivent. C'est se respecter collectivement en tant qu'humanité, là-dedans, à travers cette transition écologique-là. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, se transcender, tu sais, puis revenir au nous, au collectif. Tu sais, arrêter de penser l'individu, puis y aller vraiment vers le collectif et réapprendre à vivre ensemble au final pour que cette transition énergétique, elle se fasse. Faut être honnête, elle ne va pas se faire forcément toujours dans la douceur. Puis plus on va tarder à la faire, pire ça va être. Mais par contre, si on la prend à bras-le-corps maintenant, collectivement, puis qu'on exige de nos gouvernements de la faire, puis de la voir comme une opportunité sans précédent, non seulement de protéger notre environnement, mais de recréer de la richesse collective. Quand je parle de richesse, c'est de la richesse humaine, là, pas de la richesse monétaire. Ben là, on aura grandi ensemble, tu sais. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire ce soir. Puis, si vous avez plus de questions puis de détails sur le front commun, ben il y a la période de questions. Merci. Donc, merci. Donc, c'est intéressant. Par où commencer? Tu te dis notamment réduire notre consommation. C'est super intéressant dans cette perspective-là de non seulement la consommation de pétrole, mais de consommation de tous les biens, parce que finalement, toutes les ressources qu'on exploite, ça sert à créer des biens, souvent. J'aime bien aussi arrêter de penser comme des individus. C'est la base. Donc, non seulement moi, qu'est-ce que je peux faire individuellement, mais il faut arrêter de penser là. Il faut se mettre à penser comme une société, comme une collectivité. J'aimerais entendre les autres aussi, par où ça doit passer, d'après vous. Est-ce qu'on doit y aller par resserrer les mécanismes de régulation dont Louis-Gilles parlait au début? Est-ce que ça passe par une nationalisation des ressources ou même à la limite que les ressources deviennent la propriété des collectivités pour être encore plus à petite échelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de ce modèle de l'extractivisme? Diana? Et moi, je n'ai pas comme une formule pour dire comment est-ce qu'on va sortir, mais des idées ou des questions. Et une question liée à la langue, mais aussi à ce que je vous partageais. Le mot décroissance est lié à quel verbe? Quel est le verbe? Décroître. Décroître. Oui. Oui, oui. Donc, je pense qu'on doit aussi penser à des verbes plus dans l'action. Oui. Donc, si on va à parler de verbes qui ne sont pas liés à l'action, je voudrais proposer de parler d'un autre verbe que je vais inventer, qui est lié à. Plus de croissance, c'est plus laisser de croire, de créer, de. Comment c'est? Si, non créer. Hein? Croire. Pas croire. Parce que. Pas croire. Ok. Non, c'est ça. Mm-hmm. Exactement. Parce que quand on parle de transition, on est sur la base d'une vision du temps qui a été imposée pour esclaviser, pour l'esclavage,
pour s'approprier. Aussi, on parle de la transition qui est liée comme qu'on doit faire une chose en premier et après une autre pour arriver. Et je sais que c'est pas facile de mettre en action ce que je vais dire, mais pourquoi pas penser dans ces enjeux et sans croire dans des structures qu'on croit beaucoup. On s'appelle État. On croit beaucoup dans l'État. On croit beaucoup dans ce qui s'appelle démocratie. On croit beaucoup dans ces choses qui s'appellent citoyenneté. Et je pense que peut-être ça va sonner aussi un peu bizarre, mais si on commence à parler de ce type de choses, je pense que c'est plus facile qu'on arrive à penser des choses plus concrètes comme, je m'excuse, mais comme, qu'est-ce qu'on va faire avec la caca demain, comme un corps vivant, qu'est-ce qu'on va à faire, non? Est-ce que pour vivre d'autre façon, est-ce qu'on doit accepter des autres traditions millénaires ou se connecter avec l'univers à une échelle plus au-delà de ces planètes, je ne sais pas, mais je pense que aussi il c'est bien de penser dans ce que tu dis, réduire la consommation, parce que pourquoi est-ce qu'on ne peut sortir de ce faux confort, mais aussi de les penser au-delà de ces structures qui ont dominé notre vie, comme la notion du temps ou la qui a dit qu'on est ici dans cette terre pour penser à la retraite. Je sais pas, on n'est pas ici pour ça, on n'est pas dans la vie pour ça, mais on est bloqué dans quelques sens. Moi je pense à la technologie qui c'est un enjeu pour analyser. Est-ce que tu peux montrer le développement technologique et institutionnel en fonction de l'extraction de matières premières? C'est sûr qu'on aujourd'hui partage avec des amis comme des emojis, des photos, des choses qui permettent de nous communiquer. Mais je vais vous raconter une chose qui, pour moi, c'est très préoccupante. Je ne me rappelle pas des noms spécifiques, mais il y a des software de programmation de modélisation hydraulique, ça s'appelle comme ça? Modélisation hydraulique. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a des universités qui, avec des étudiants du département de géographie, par exemple, inventent des software qui vont parler de combien d'eau on aura besoin pour grandir des plantations de canne à sucre. Et pour faire ça, il faut contrôler certains territoires. Donc, je ne sais pas comment fonctionne ça au détail, mais il y a la technologie, plus dans les pays du Sud, n'est pas utilisée. On utilise la technologie pour faire des petites choses, mais la technologie à la base était développée pour l'extraction. Et aussi, je vous souffre une nouvelle de Les Devoirs qui disent, est-ce qu'on est capable de renoncer à notre vol d'avion, par exemple? Oui, des choses ponctuelles. On vole pour faire quoi? Oui, ailleurs. Ce sont des questions qui n'ont pas une question, mais qui m'interpellent beaucoup. Et c'est ça comme la relation avec les temps, la technologie et les actions concrètes. Parce que
on parle aussi à niveau de discours, mais il y a des... Moi, j'ai une expérience en Colombie, ça fait pas longtemps. J'étais dans un endroit où il y avait un basuro, un basurero, comment... Des potoirs. Oui, des poubelles. Ça fait quelques années que la communauté a empêché les camions de laisser de jeter la poubelle là-bas. Et j'étais sur une partie. La nature a commencé à se renouveler, pour dire quelque chose. Mais moi, j'étais sur toneladas. Toneladas de poubelles. Et c'est dans ce moment que la mère Terre m'a parlé, ou que m'a regardé les yeux pour dire, et vous sentez qu'il faut sortir la poubelle parce que le camion va arriver, mais il va la reprendre pour la jeter quelque part, au moins en Colombie. Donc ça, c'était comme un questionnement que la terre-mère m'a fait à moi même en regardant les yeux, par exemple, pour me demander de toutes les, comment, le desprecio, le rebaissement, le mépris qu'on a entre nous, des autres êtres vivants. Donc c'est comme aussi une connexion de nous permettre de sentir bien, de parler avec les plantes, oui, de parler avec, oui, de se connecter. C'est cette réflexion. Merci. Toujours très philosophique, Diana. Même à Québec, elle nous disait de parler avec la neige aussi. Tu avais mentionné ça aussi. Mais c'est bien intéressant parce que, donc, peut-être une façon de se sortir de ce système aussi extractiviste, c'est entre autres de repenser notre façon de prendre contact avec la nature. Donc, plutôt qu'avoir une relation de domination sur la nature, de réaliser qu'on fait partie de la nature et donc, finalement, la ressource, donc ce cours d'eau-là ne nous appartient pas et cette mine-là, ce minerai-là ne nous appartient pas. Ça fait partie d'un tout de la nature. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui voudraient intervenir sur comment se sortir de cet extractivisme? Je pense que, pardon, je pense qu'il faut absolument arriver à forcer le ralentissement des projets parce que c'est la seule façon d'obtenir un ralentissement de cette production. Parce qu'en fait, c'est de la production. Ce qu'on appelait autrefois de la production intensive, c'est en gros ce que vise l'extractivisme. Et il faut le faire sur deux fronts. Pas seulement. D'habitude, on parle beaucoup de réduction de la consommation. Mais je pense qu'il faut, ça semble iconoclaste ce que je vais dire, il faut viser à augmenter le prix des matériaux. Il faut que on arrive à internaliser tous les coûts. Il faut arrêter de refiler les coûts à la société. Et c'est-à-dire, puis il faut exiger, puis parmi ce relèvement, c'est la meilleure technologie, l'internalisation de tous les coûts. Et l'internalisation de tous les coûts, ça veut dire tenir compte des impacts biologiques, ça veut dire tenir compte des impacts sur le climat, ça veut dire tenir compte des impacts sociaux. Par exemple, prenons un cas qu'on connaît bien, mais sur lequel on ne réfléchit pas en ces termes-là, l'hydroélectricité. On est bien, nous autres, on ne pollue pas, on a le plus beau pourcentage d'utilisation de l'électricité dite verte. Moi, je dis bleue, là, et pas verte, là, parce que on ne tient pas compte dans notre dossier de l'électricité. C'est sûr que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Par rapport au pétrole, c'est quand même 10-11% de biogaz. Ben, c'est à cause de la méthanisation dans le fond des réservoirs. Mais il y a un impact sur la biodiversité qu'on ne chiffre pas, pour lequel Hydro-Québec a jamais versé une scène de compensation, hormis des mesures de mitigation. Oui, ils vont reconstruire des frayères, des choses comme ça, mais la perte de biodiversité causée par les territoires ennoyés, la perte de biodiversité créée par l'interférence dans un cours d'eau, où vous mettez un barrage, puis il y a
connaissez-vous des barrages d'Hydro-Québec où il y a une passe migratoire? Vous allez voir que ce n'est pas des gros, hein? C'est des tout petits. Alors, l'impact sur la biodiversité, quand vous coupez l'immigration dans un cours d'eau, vous réduisez la capacité de la biodiversité. Vous segmentez le cours d'eau, vous le transformez d'une rivière en un lac, vous provoquez un phénomène de lacustration. Ce n'est pas du tout les mêmes espèces qui vont se développer. Vous modifiez complètement l'écosystème. Hydro essaie de mitiger. La logique du gouvernement, c'est mitigeons, atténuons les impacts. Mais on ne paye pas, puis on ne compense pas. Avez-vous déjà vu Hydro verser des milliards pour les forêts perdues, pour aller acheter d'autres territoires, pour recréer les mêmes forêts, pour qu'on compense les milieux humides, puis qu'on ne compense pas pour la disparition des forêts? On ne paierait pas notre électricité le même prix. On se tape les bretelles en disant, nous autres, l'électricité au Québec, la moins chère du continent. Je comprends. Parce qu'on refile aux peuples autochtones, on refile à la biodiversité la facture. On ne la paye pas. La plupart des barrages au Québec ont été construits sur des territoires innus. Et là, parce qu'ils veulent un petit projet à Pouillac, on dit « Hey, hey, grosse perte financière pour nous autres, cette affaire-là. » Si on n'avait pas fait des niaiseries comme la Romaine, je m'excuse, dont on n'avait pas besoin alors qu'on l'a, au moment où on l'a construit, on aurait besoin de petits projets plus verts comme à Pouillac. Et là, on veut faire payer aux Autochtones l'incurie et le problème de planification d'une société d'État qui ne fait que voir grand et en termes de castor bétonneur. Mais ce qui serait pas, il s'attend qu'il adopte une autre logique. Alors, voyez-vous, on fait payer en impacts sociaux, en impacts biologiques, en se justifiant qu'on réduit les impacts climatiques. Mais il faut être capable de travailler sur les trois fronts. La loi de l'environnement au Québec, là, puis ça, c'est une chose que je voudrais préciser à Anne-Céline, elle définit l'environnement comme étant la somme des dimensions écologiques, sociales et économiques. Tantôt, vous avez dit qu'il faut arrêter d'opposer l'environnement et le social. Ça ne s'oppose pas. Le social fait partie de l'environnement. Oui, c'est l'écologique. Si on fait une opposition, c'est entre l'écologique et le social, pas entre l'environnement et le social, si on a conceptuellement la bonne vision. Mais voyez-vous, on prend simplement un exemple, puis c'est celui où normalement on se considère comme les plus verts. Je ne parle pas de nos mines, puis je ne parle pas des autres domaines. L'hydroélectricité, d'habitude, là, vous avez l'absolution pendant le péché quasiment quand vous utilisez de l'électricité. Mais c'est pas si vert que ça. Puis on n'assume pas les coûts. Si on payait moi, j'aimerais qu'on paye notre électricité à la juste valeur, puis qu'on compense les Autochtones pour la perte de territoire, qu'on compense pour les impacts biologiques, qu'on recrée des forêts, qu'on achète des territoires, qu'on... m'excuse, quand l'industrie forestière provoque, crée une grosse route forestière, une autoroute forestière, qui paye pour la segmentation du territoire? Qui paye pour le problème de biodiversité que ça va réduire le fait de créer des utilidors? C'est une division dans un territoire naturel qui n'existait pas avant. Ça a toutes sortes d'impacts sur la reproduction, le va-et-vient, les échanges dans les espèces vivantes. On ne demande pas une scène. On ne demande aucune compensation là-dessus. Pourquoi on le fait pour les milieux de mètre, mais on le fait pas pour le reste? Il n'y a aucune raison. Si on a une logique environnementale d'internalisation des coûts, il faut arriver à payer le vrai prix. Tant qu'on ne fera pas cette discussion, on vit à crédit, à même l'environnement, à même le social de d'autres. Vous savez, c'est de l'extractivisme de l'hydroélectricité. On produit de l'électricité avec du territoire, avec des ressources vivantes. Robert Bourassa, il disait, c'est terrible de regarder couler ça pour rien. M'excuse, ça ne coule pas pour rien, ça a des fonctions dans le vivant, ça. Puis on en dépend ultimement. Alors, moi, je suis pour, si on faisait un débat de fond au Québec, puis qu'on ne lâchait pas internalisation des coûts et exiger tout le temps la meilleure technologie disponible, peut-être qu'on lâcherait la logique du castor bétonneur, puis on commencerait à penser un peu plus en termes d'éolien, de petits projets, puis des projets qui se financent beaucoup mieux quand vous financez à coût de 4-5 milliards des projets de 1500 mégawatts qui vont être rentables dans 25-30 ans. En attendant, on le paye. Mais on n'arrive pas à le vendre. Alors, si on monte l'escalier, comme en Californie, avec des petits projets, ben on les rentabilise en 7-8 ans, puis ça serait beaucoup plus rentable socialement, biologiquement, climatiquement, puis
ça. Alors moi, je me dis, c'est une logique de base. Puis là, je prends l'exemple de notre domaine où on se sent le plus sûr de nos arrières au plan environnemental. Imaginez si on faisait le même portrait sur les autres ressources. Merci. C'est assez rare dans les événements environnementaux qu'on critique Hydro-Québec et l'hydroélectricité. Il faut avouer que c'est on n'ose pas jamais ça. Mais il faut. C'est très bien. Il faut. Vous avez raison. C'est excellent. Donc internaliser les coûts, très très important. Mais bon, moi je me questionne aussi qu'est-ce qu'on fait après ça avec cet argent-là. Donc présentement, par exemple, on a une taxe carbone. On fait partie d'un système d'échange d'émissions, la bourse du carbone. Cet argent-là va dans le fonds vert et après ça est utilisé de n'importe quelle façon. Donc, de demander une compensation, ben il faut quand même que cet argent-là soit utilisé à bon escient aussi. Donc, il y a cette étape-là de plus qu'il faut s'assurer qu'il soit bien présente. Est-ce que vous voulez intervenir des petits points sur ça? Oui? Merci. Ben oui, ben en fait... Pardon? Pardon. Oh. Ben, en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse ça, puis on peut faire la pause ou on la fait tout de suite. C'est comme vous voulez, ou, ben, parce que c'est sûr qu'il y a aussi, il est 8h40, on peut aussi skipper la pause et aller tout de suite à la période des questions. C'est vraiment comme vous voulez. C'est ça, on va passer aux questions directement, je pense, puis on va rester tout le monde dans le même vif du sujet. Donc, brièvement, on va conclure sur ça, puis après ça, on va prendre la première question. Ben, brièvement, à ce moment-là, ce que je vais répondre, c'est... Moi, il m'apparaît d'un point de vue assez clair que même à l'échelle internationale, c'est assez incroyable à quel point on n'a pas de plan. On n'a pas de plan point par point réfléchi sur plusieurs années. On a des plans pour toutes sortes de formes de politiques publiques. On est capable de penser sur 10 ans ou 15 ans. Dans le cas de l'efficacité énergétique, par exemple, on n'a à peu près rien. Tout ce qu'on a, c'est des bonnes intentions. Depuis 30 ans qu'on a des bonnes intentions dans l'environnement, dans le meilleur des cas. D'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il y a aussi, puis ça c'est clair, un manque de confiance envers les institutions puis les gouvernements. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'on parle de faire, par exemple le fonds vert, on voit que finalement c'est les petits copains qui vont finir par gagner au départ. Avec tout ça, on voit que lorsqu'il y a un projet qui est mené, il est critiqué de toutes parts, puis même aujourd'hui, un écologiste ne va pas faire particulièrement confiance au gouvernement en place, au Québec par exemple, sur les questions environnementales. Et à ce moment-là, on peut comprendre une grande partie de la population qui peut se dire, ben moi, on gaspiller l'argent que j'ai parce que de toute manière, ils font rien avec ou ils font rien de pertinent. C'est pour ça que pour moi, je pense que ce qu'il va falloir faire, il va falloir réussir à amener, c'est un vrai plan avec, par exemple, moi j'aime bien l'idée d'augmenter les tarifs d'Hydro-Québec, mais j'aimerais bien que cette idée-là vienne avec l'argent qu'on va faire. Ça va être pour faire un grand chantier où est-ce qu'on va rénover l'ensemble des habitations au Québec parce que le monde se chauffe au Québec, par exemple. Puis là, on n'a pas trop le choix. Puis la meilleure énergie qu'on va utiliser, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Et à partir de ce moment-là, si on réussit à utiliser les fonds qu'on va chercher, puis on a un fonds de génération même à l'arrière, on pourrait utiliser ce fonds-là pour le faire, pour au Québec se sortir tranquillement mais sûrement de nos dépendances. Ceci dit, peu importe comment on rénove, puis peu importe comment on fait, il va peut-être à terme, on ne pourra tous pas avoir deux automobiles, une grande cour, une grande maison, puis avoir un mode de vie parfait. Mais ça, je pense que ce plan, on peut, je pense que c'est la première chose à faire, c'est de réussir à dire, on va faire une transition, on va travailler sur la transition, mais dans 25 ans, la vie ne sera pas la même qu'on a aujourd'hui, et il faut qu'on l'admette en tant que société. Puis ça, c'est pas très clair et c'est pas facile pour les générations avant la mienne, puis pour les générations après la mienne aussi, je pense que c'est pas si clair. Merci. On va passer à la période de questions.